Les travaux de la ligne T6 entrent dans une nouvelle phase. Pour rappel, le projet consiste à relier des grands pôles d'activité en créant une ligne depuis le terminus actuel du tram T1 à Debourg jusqu'aux hôpitaux Est. 14 stations sortiront de terre tout au long des 6,7 km du tracé. Depuis la rentrée, les trois bases-vie ont été installées et les déviations de réseau sont en cours d'achèvement. Les travaux attaquent donc concrètement la phase de construction, comme on voit ici sur l'avenue du professeur Beauvisage, à l'intersection avec le boulevard des États-Unis. On est vraiment sur les travaux de construction du tramway et de requalification d'ensemble de façade à façade tout au long de la ligne. Et on a notamment ici l'emprise en charge d'un des trois lots d'infrastructures qui commence les aménagements de voirie. Dans la mesure du possible, les deux voies de circulation sont maintenues, bien que restreintes. Suivant les secteurs et les contextes locaux, il faut s'adapter. On a notamment l'activité du marché boulevard des États-Unis qui est assez importante. Donc on a basculé les circulations côté sud avec une voie dans chaque sens. On a supprimé le stationnement d'un côté de la circulation. Et on a des cheminements piétons sécurisés par rapport au chantier pour maintenir un cadre de vie à peu près normal malgré l'ampleur des travaux pour les riverains et les usagers. Pour mener à bien les travaux, le Citral a missionné Sistra, une société compétente en maîtrise d'œuvre. Ils ont conçu la nouvelle ligne sur plan et font maintenant l'interface avec les entreprises de réalisation. Et nous, l'idée c'est de créer le lien entre les entreprises pour que tout le monde arrive à travailler ensemble et que les travaux avancent et soient phasés correctement, que personne se marche sur les autres. Ça peut paraître bête, mais il ne s'agit pas de mettre un poteau d'éclairage public au même endroit qu'un arbre. Voilà, et donc chacun voit son périmètre, donc chaque entreprise voit son périmètre, et nous on fait de la synthèse de toutes ces implantations géographiques pour voir que tous les corps de métier fonctionnent bien ensemble. Les aménagements de la nouvelle ligne T6 devraient être terminés avant l'été 2019, pour une mise en service progressive fin 2019.